Bénédicte éprouvait une immense passion pour Christine, mais sa laideur ne lui permettait aucun espoir. Condamné à mort pour avoir assassiné cette jeune femme, sous le couperet de la guillotine, Bénédicte crie encore son innocence. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. J'ai fabriqué un automate et mon neveu lui a donné le cerveau de Bénédicte Mas. Je pensais avoir affaire à un poète. Il était un boucher. C'est la poupée sanglante. Je dis qu'il n'a pas de sang dans les veines. On ne m'empêcherait pas de disculper l'homme que j'ai été. J'ai découvert les secrets de l'existence. L'homme de science doit se préserver du commun. Et peu importe son mode de vie, pourvu que sa recherche favorise le progrès. Il s'appelle... Willem Storitz. Ce breuvage qu'il absorbait pour nous défier, il vous l'a fait boire, n'est-ce pas ? Et vous a rendu invisible. Mais suis-je coupable ? Si vous ne m'épousez pas, il devra payer sa dette. La Terre n'est dans l'univers qu'une minuscule planète. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent habiter sur les étoiles ? C'est bien naturel. Qu'avons-nous à attendre de notre civilisation ? Avez-vous déjà entendu parler des autres mondes ? J'ai l'impression que vos enfants cherchent à entrer en contact avec les forces d'un de ces mondes-là. Elle m'a dit que je partirais. Très loin. Il y a des endroits où on ne peut pas nous rattraper. Allez, viens, Sylvie. C'est l'heure. Bénédicte éprouvait une immense passion pour Christine, mais sa laideur ne lui permettait aucun espoir. Condamné à mort pour avoir assassiné cette jeune femme, sous le couperet de la guillotine, Bénédicte crie encore son innocence. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. J'ai fabriqué un automate et mon neveu lui a donné le cerveau de Bénédicte Mas. Je pensais avoir affaire à un poète. Il était un boucher. C'est la poupée sanglante. Je dis qu'il n'a pas de sang dans les veines. Vous ne m'empêcherez pas de disculper l'homme que j'ai été. La Terre n'est dans l'univers qu'une minuscule planète. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent habiter sur les étoiles ? C'est bien naturel. Qu'avons-nous à attendre de notre civilisation ? Avez-vous déjà entendu parler des autres mondes ? J'ai l'impression que vos enfants cherchent à entrer en contact avec les forces d'un de ces mondes-là. Elle m'a dit que je partirais. Très loin. Il y a des endroits où on ne peut pas nous rattraper. Allez, viens, Sylvie. C'est l'heure. Découvert les secrets de l'existence. L'homme de science doit se préserver du commun, et peu importe son mode de vie, pourvu que sa recherche favorise le progrès. Il s'appelle... Willem Storitz. Ce breuvage qu'il absorbait pour nous défier, il vous l'a fait boire, n'est-ce pas ? Et vous a rendu invisible. Mais suis-je coupable ? Si vous ne m'épousez pas, il devra payer sa dette.